Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être restés pour ce débat intitulé « Il était une fois le PIB » avec Dominique Méda. C'est très gentil d'être aussi nombreux, ça fait toujours plaisir. Alors, en quelques mots, on a une petite heure et demie devant nous pour laisser Dominique Méda présenter ses thèses. Ensuite, vous pourrez intervenir pour lui poser des questions. Pourquoi ce débat, il est important? Dans le débat précédent, si vous étiez là, on a beaucoup parlé des moyens d'augmenter la croissance. Est-ce que la croissance va revenir? Pourquoi est-ce qu'elle était si forte pendant les 30 Glorieuses? Pourquoi elle est faible aujourd'hui et forte ailleurs, etc. Et en fait, même si de temps en temps, il y a des parenthèses en disant la croissance du PIB, bon, c'est un indicateur un peu sommaire, etc., ça reste quand même l'objet de la discussion. On parle toujours en point de PIB, et sans vraiment se poser la question de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est un point de PIB? Qu'est-ce que c'est la croissance? Qu'est-ce que c'est la croissance du PIB? Donc on va consacrer toute cette discussion à cette forme de religion, de nouvelle religion, qui est la croissance du PIB, le produit intérieur brut. Ça nous semble quelque chose d'assez naturel. Le PIB, c'est la richesse. Alors bon, c'est un symbole de richesse, c'est une représentation de la richesse avec plein de défauts, mais enfin, on l'utilise quand même. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Derrière ça, ce sont des chiffres, mais ce sont aussi des conventions. C'est extrêmement arbitraire. On n'a pas toujours parlé en termes de points de PIB. C'est même assez récent. On reviendra sur cette histoire-là. Et puis surtout, ça véhicule des pensées implicites, des préjugés que les auteurs de cette convention, de cette comptabilité nationale avaient bien identifiés, mais à force de l'utiliser, finalement, on ne voit plus de quoi on parle. Et ça fait partie de ces quelques chiffres qui, en fait, structurent les discours et qui, finalement, nous gouvernent quelque part avec d'autres chiffres emblématiques, ça dépend des fois. Enfin, il y a les 3% de déficit, les 60% de dette publique, l'inversion de la courbe du chômage. À chaque fois, on focalise le débat public autour d'indicateurs. Et on oublie que derrière ces indicateurs, il y a des conventions, il y a des choix politiques. Et que ces indicateurs ne sont pas neutres du tout. Alors évidemment, il n'y a pas d'indicateur neutre, il n'y a pas d'indicateur parfait non plus, mais il est de notre devoir d'avoir une approche critique de cela. Et derrière cette focalisation sur le PIB, parce que finalement, un débat sur les indicateurs, ça pourrait être un peu rébarbatif, ce qui est intéressant, c'est le débat sur la croissance du PIB. Parce que la croissance du PIB, c'est devenu un objectif en soi pour nos sociétés, alors qu'on s'est aperçu qu'il y a une déconnexion entre la croissance du PIB et les indices de satisfaction de la population. Au début, quand la croissance du PIB augmente, les gens sont de plus en plus satisfaits parce qu'ils ont accès à l'éducation, ils ont accès à l'eau potable, etc. Et puis, au fur et à mesure, le PIB augmente, mais les gens semblent pas beaucoup plus satisfaits pour autant. Ça interroge sur si le PIB est censé représenter la richesse, pourquoi est-ce que les gens ne sont pas plus heureux quand ils sont plus riches? Alors, soit ça représente mal la richesse, soit les gens ont d'autres aspirations qu'uniquement s'enrichir. Au-delà de cette mesure, la question c'est l'accumulation comme objectif en soi de nos sociétés. Et là aussi, c'est gravement remis en cause depuis quelques années. Il y a des débats sur le PIB qui ont atteint même le sommet de l'État. On a vu un moment Nicolas Sarkozy en 2008 confier à des grands économistes, dont Joe Stiglitz, le soin de revoir les indicateurs de richesse. Donc ça, c'était une grande victoire. On pouvait penser qu'il y avait un certain consensus sur le fait, sur la critique du PIB. Et pourtant, depuis que la crise a éclaté en 2008, on est de plus en plus arc-bouté à ces chiffres-là et on a des débats presque abscons à la télévision sur est-ce que ce trimestre on est à 0,1 ou à 0,2, pourquoi on est à 0,2 et pas à 0,1, est-ce que c'est à cause de telle ou telle mesure du gouvernement, et on parle de choses qui sont extrêmement abstraites, extrêmement conventionnelles. Il y a un article dans Alter Eco il y a quelques mois qui parlait justement des bouleversements dans les mesures du PIB dans certains pays qui sont moins, qui ont un appareil statistique moins développé que le nôtre, et on s'aperçoit que quand on change une variable, qui n'est pas plus absurde qu'une autre, le PIB du Ghana ou de tel ou tel pays peut augmenter de 30% en une nuit. Donc est-ce que les Ghanéens sont plus riches ou moins riches? Évidemment non, c'est la même chose, mais en changeant quelque chose, un bout de tableau dans des statistiques, on est tombé sur quelque chose de très différent.
Donc Dominique Méda, pour nous parler de ce sujet, est sans doute la personne la plus adaptée. Elle a beaucoup écrit pour redéfinir la richesse, pour redéfinir le travail également. Et son dernier livre, qui doit être en vente à la sortie, s'appelle « La mystique de la croissance ». Il est sorti en septembre dernier. Et donc Dominique Méda est à la fois sociologue, philosophe, normalienne, énarque et plein d'autres choses. Et donc elle a un point de vue... assez pluridisciplinaire sur cette question-là, historique et philosophique à la fois. Et donc, pour lui passer la parole et lancer la discussion, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'à votre avis, on s'est autant focalisé sur le PIB alors que tout le monde sait bien que c'est une fiction avec beaucoup de défauts, qui oublie plein de choses, qui en rajoute d'autres qui ne sont pas forcément positives. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se détacher de ce critère, de cet indicateur qui devient comme une forme de drogue ? Dans votre livre, vous écrivez « Sans travail, nos sociétés sombres, sans croissance, elles s'effondrent ». Pourquoi est-ce qu'on est aussi drogué au PIB et aussi drogué à la croissance du PIB ? Merci, merci de votre invitation. D'abord, je suis très heureuse d'être avec vous. Alors, c'est pour ça, en effet, que j'ai parlé de mystique. Hein. C'est-à-dire, la mystique, c'est à la fois quelque chose de mystérieux, et puis c'est une croyance un peu irrationnelle, un peu passionnée. Alors, pourquoi est-ce qu'on est drogué ? Je pense d'abord que la période n'y est pas pour rien, c'est-à-dire qu'en période de crise, évidemment, on est encore plus crispé, parce qu'à très court terme, l'ensemble de nos dispositifs sociaux sont dépendants de la croissance et donc sont bouleversés par le ralentissement de la croissance. Et il y a un lien net, hein, évidemment, entre l'augmentation du chômage et le ralentissement de la croissance, au moins à court terme. Et je dirais toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire, si on ne met pas en œuvre d'autres politiques, comme par exemple une politique de réduction du temps de travail ou des choses qui rebattraient complètement les cartes. Donc, à court terme, parce qu'on est en grave crise, parce que nos dispositifs sont dépendants de la croissance, mais alors je pense que plus généralement, c'est aussi parce que notre addiction est ancienne, c'est-à-dire parce que nous sommes des sociétés fondées sur la croissance. Je reprends cette expression à Habermas qui parlait en 85 de sociétés fondées sur le travail, mais je crois que ça revient un peu au même, pas tout à fait d'ailleurs, mais donc des sociétés fondées sur la croissance, c'est-à-dire je crois depuis assez longtemps, au moins depuis le 18e siècle, nous sommes focalisés sur la sphère de la production, nous avons en quelque sorte mis toutes nos énergies utopiques, toutes nos attentes sur la sphère de la production. Nous avons fini par confondre la croissance du produit intérieur brut et le progrès. Et je crois que ça s'inscrit même, si on voulait remonter encore beaucoup plus loin, ça s'inscrit dans un type de relation, de rapport assez général entre les êtres humains et la nature, qui est très particulier, qui est celui qui est issu de la modernité. Peut-être je vais juste une petite parenthèse là-dessus. Il y a un historien américain qui, en 1967, a écrit un article assez important qui s'appelle les racines écologiques de notre crise. Et la thèse, donc, qui s'appelle Lynn White, et la thèse de cet historien, c'est que, d'une certaine manière, tous nos maux, et notamment notre ignorance des mots écologiques viennent de la Genèse, du texte de la Genèse, et notamment de ce moment où Dieu crée l'homme et la femme et leur dit, eh bien maintenant, dominez la nature et l'assujettissez. Et Lynn White voit dans ce premier moment, dans cette... comment dirais-je, cette obligation presque faite à l'homme de dominer la nature et de l'exploiter, il voit le début de la fin en quelque sorte. Parce qu'après, il raconte que peu à peu, cette image, ce rapport particulier entre homme et nature a été promu par le christianisme. Et puis, il en déduit tout un tas de choses. On a inventé un nouveau soc, une nouvelle charrue tirée par plus d'animaux. On a fini par produire plus qu'il ne fallait. Et on a, à partir de ce moment-là, dit-il, introduit un nouveau rapport de conquête entre l'homme et la nature. Pourquoi je raconte tout ça ? Et puis après, je m'arrête quand même. Pourquoi je raconte tout ça ? C'est parce qu'il me semble que notre focalisation sur le PIB, sur la production, sur ce qu'on appelle la création de richesses, elle remonte à très très loin. On ne peut pas seulement la faire remonter à l'invention de cette convention qu'est le produit intérieur brut. Elle doit s'inscrire dans un rapport très général entre homme et nature, où peu à peu la nature a été considérée comme quelque chose qu'on pouvait dominer, et surtout elle a été considérée comme quelque chose sur quoi on pouvait opérer des dégâts sans que ceci soit particulièrement remarqué ou sans que cela soit embêtant. Donc une occultation
des mots de la croissance. C'est là-dessus que j'aimerais bien juste terminer. Il me semble que la croissance, elle a apporté d'énormes bienfaits, c'est évident, mais elle apporte aussi des mots. Et ça, par exemple, les années 60 l'avaient très bien vu. Quelqu'un comme Bernard de Jouvenel l'avait très bien dit. La croissance est génératrice et de bienfaits et de mots. Mais nous avons occulté, oublié complètement les mots, notamment parce que nous avons fait de la nature quelque chose d'un peu vidé de toute existence. Hein, Lin White parlait d'une nature sacrée, d'une nature sacralisée, d'une nature habitée, épaisse. Et la modernité a vidé cette nature, ce qui nous a permis de lui faire des dégâts sur elle qui ne sont pas pris en compte. Et je crois que le PIB reproduit tout à fait ça. Alors justement, vous dites que le PIB ne prend pas en compte les dégâts sur la nature. En fait, concrètement, qu'est-ce qui prend en compte? Et est-ce qu'on a toujours calculé le PIB de la même manière? Au départ, comment est-ce qu'on a calculé la production? On la calcule en quoi? Quelle est l'unité de mesure? Qui l'a définie? Est-ce que c'est des Américains, des Français? Et avec quel but? Pourquoi est-ce que tout à coup, on s'est dit, tiens, il faut calculer la richesse ou en fait l'activité économique d'un pays? Alors on fait remonter ça, il y a deux ouvrages magnifiques là-dessus, l'un d'un comptable national qui a participé à la construction de la comptabilité nationale française, qui s'appelle André Vanoli, et puis un sociologue qui s'appelle François Fourquet, qui a interviewé les acteurs de cette époque. Et donc eux racontent, notamment Vanoli, raconte qu'on a calculé les premières fois un revenu national au XVIIe siècle, c'est William Petit, pour essayer de calculer la puissance des nations, hein, notamment il s'agissait que l'Angleterre montre qu'elle était aussi puissante que la France. Et ensuite, alors je passe les étapes, mais j'arrive vite à un autre personnage important qui est Kuznet, un Américain qui, dans les années 30-40, se voit confier par le Sénat américain la mission précisément de calculer les dégâts opérés par la Grande Dépression, et donc qui calcule un peu pour la première fois de manière précise le revenu national américain. Et là, ce qui est tout à fait passionnant, c'est qu'il montre tous les choix qu'il est amené à faire. C'est pour ça que cette question de convention, le fait que le PIB est toute notre comptabilité nationale, hein, c'est une grille, c'est une nomenclature, et c'est une convention, c'est-à-dire que c'est nous, enfin pas nous, mais ce sont des personnes qui décident pour nous de ce qui va rentrer dedans et ce qui ne va pas rentrer dedans. Et donc, notre produit intérieur brut, là, vous savez que depuis 1976 seulement, vous voyez, c'est très très récent, il est constitué de l'addition du PIB marchand et du PIB non marchand. Le PIB non marchand étant évalué au coût de production, et le PIB marchand, c'est la somme des valeurs ajoutées. Alors, vous voyez que c'est une image extrêmement réduite de la richesse de nos sociétés, hein, puisque c'est un flux, on pourrait dire, si on prenait le terme de richesse dans son sens le plus réduit, hein, qu'en effet, c'est la création de richesse économique d'une année, mais que c'est un flux qui oublie des tas de choses. Qu'est-ce que ça oublie? Ça oublie des tas d'activités ou de temps très importants pour nos sociétés, pour la reproduction de nos sociétés. Ça oublie le travail domestique, le bénévolat, tout le temps passé avec nos proches, nos enfants, à faire des activités politiques, des activités sociales. Ça oublie tout le loisir. Et pourquoi c'est embêtant? C'est embêtant parce que, évidemment, puisqu'elles comptent pour zéro, toutes ces activités, si on les réduit, voire si on les fait disparaître, personne n'y verra rien, en tout cas le PIB n'y verra rien. Peut-être d'ailleurs, au contraire, grossira-t-il, parce qu'on aura fait un peu moins de ces activités comptées pour zéro. Ça, c'est une chose. Deuxième limite, le PIB, il ne tient pas compte de l'utilité ou de l'inutilité, mais tout ça, vous devez savoir ça par cœur, hein, il ne tient pas compte de l'utilité ou de l'inutilité des biens et services qui sont fabriqués. Et puis, surtout, je dirais qu'il est indifférent à la... aux inégalités de consommation ou de production. C'est-à-dire qu'il y ait beaucoup, beaucoup de gens qui consomment les produits ou très peu, qu'il y ait beaucoup, beaucoup de gens qui produisent, qui fabriquent cette production ou très peu, ça ne fait pas grand-chose sur le PIB. Et puis, dernier élément, et c'est là dont je trouve un point dont on a en effet peut-être pas tout à fait parlé tout à l'heure dans le premier débat, troisième énorme limite du produit intérieur brut, il ne prend pas en considération les patrimoines, moi j'aime pas trop dire les capitaux, donc les patrimoines, je suis pas sûre que ce soit mieux, mais les patrimoines que l'on transforme
pour fabriquer la production. Hein, pour fabriquer la production, on va faire des prélèvements sur le patrimoine naturel, on va faire des rejets sur la nature. Ça, on ne regarde pas l'évolution de ces patrimoines en lien avec la production. On fait juste la somme des valeurs ajoutées et on ne regarde pas non plus les conséquences sur ce qu'on peut appeler le patrimoine social ou la qualité de vie, la cohésion sociale, la qualité du travail. Donc vous voyez qu'on laisse quand même de côté énormément de choses. Donc c'est un flux et c'est une somme de valeur ajoutée qui ne s'intéresse pas aux transformations du patrimoine. Et aujourd'hui, si on prend au sérieux tous les rapports qui nous sont présentés, alors bien sûr les rapports du GIEC, mais aussi des articles quand même de plus en plus inquiétants. Je pense à un article très précis, celui de Nature en juin 2012, où 22 scientifiques qui appartiennent à des disciplines très différentes, il y a des biologistes, des paléontologues, des physiciens, des climatologues, nous disent qu'on est en train de forcer les évolutions et on est en train de transformer la Terre dans un état qui risque vraiment de nous amener, alors ils n'emploient pas le terme de catastrophe, mais on nous dit qu'on risque de franchir des seuils critiques. Si on prend tout ça au sérieux, alors il est absolument impératif qu'on utilise d'autres mesures et qu'on regarde précisément la manière dont notre production, dont notre somme de valeur ajoutée, elle entraîne ou pas des modifications dans notre patrimoine naturel. Mais alors, on peut critiquer le PIB, évidemment, parce que c'est très sommaire. Pourtant, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place? Comment est-ce qu'on fait pour mesurer, quantifier un patrimoine naturel, pour quantifier ce que nous apporte une forêt, ce que nous apporte un étang? Est-ce que ce n'est pas finalement une régression d'essayer de mettre, de donner un prix, de mettre une valeur quantifiable à ces éléments qui donnent tellement de services que c'est difficile de leur attribuer un prix, comme on peut attribuer un prix à un téléphone portable? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérive là-dedans, justement? Alors là, il faut rendre justice à mes collègues Florence Janicatrice et Jean Gadret, hein, dont d'ailleurs le titre général du colloque est tiré, je crois, hein, de son ouvrage « Adieu à la croissance » qu'avait écrit Jean Gadret en 2010. Donc Florence Janicatrice et Jean Gadret, ils ont fait au début des années 2000 une recension de ce qui existait comme indicateur complémentaire ou alternatif au produit intérieur brut. Alors jusque-là, on connaissait l'IDH et puis les subdivisions de l'IDH. Et qu'elle n'a pas... L'IDH, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce que c'est? Oui, donc l'indice de développement humain, qui est un indicateur complémentaire au PIB, qui a été présenté en 1990, inspiré par Amartya Sen, et qui ajoute à la prise en considération des revenus, la prise en considération du niveau d'éducation, en gros, et de l'espérance de vie. Alors, quelle n'a pas été la surprise de Florence Janicatrice et Jean Gadret de découvrir, donc au début des années 2000, qu'il y avait dans le monde énormément d'indicateurs alternatifs et complémentaires au PIB, c'est-à-dire que d'une part, historiquement, beaucoup de choses avaient été faites. D'ailleurs, l'inventeur lui-même du PIB, hein, Kuznets, avait toujours dit que son indicateur ne le satisfaisait pas et qu'il faudrait, pour en faire un indicateur de bien-être, lui apporter beaucoup de modifications. Il y a eu en 72 le travail de Tobin et Nordhaus qui ont fabriqué un nouveau PIB en apportant des modifications qui prenez en considération ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple, on réinjectait le loisir et le travail domestique et puis on enlevait des évaluations des dommages faits au patrimoine naturel. Il y a eu encore d'autres travaux ensuite et en 2000, ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment énormément de choses. Alors ils ont classé ça, dans leur petit repère, hein, c'est très bien présenté. Il y a des familles d'indicateurs très différentes. Vous avez des indicateurs purement sociaux qui par exemple braquent le projet sur l'état social de la nation. À ce moment-là, on va prendre en considération la manière dont l'emploi est réparti, les conditions de travail, les revenus. Donc, ça sera la prise en considération de la pauvreté, des inégalités. Mais il y a aussi des indicateurs physiques, comme l'empreinte écologique, qui regardent à ce moment-là les pressions exercées par les humains sur la Terre ou les empreintes carbone. Et puis, vous avez des indicateurs mixtes. On s'était beaucoup intéressé à un moment à l'indicateur d'Osberg et Sharp qui mélangeait un peu tout, c'est-à-dire il y avait à la fois la prise en considération des flux de consommation, des revenus, mais on regardait aussi la pauvreté, l'inégalité et puis on essayait de prendre en considération la diminution des stocks de capital physique.
Bref, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses. Alors, ensuite, le problème, c'est que pour choisir un de ces indicateurs, eh ben, vous êtes obligé d'avoir des débats et des discussions. Et si on n'en a pas encore trouvé qui fasse consensus, c'est parce que chaque fois qu'un indicateur est présenté, vous trouverez quelqu'un pour vous dire « Ah mais non, je ne suis pas d'accord avec les présupposés philosophiques qui sous-tendent le choix de cet indicateur. » Par exemple, pourquoi prendrait-on un indicateur qui met en positif le combat ou la faible présence des inégalités. Ou, enfin, vous voyez, on part tout de suite dans l'accusation d'arbitraire, en fait. Et les comptables nationaux n'aiment pas du tout les indicateurs autres que le PIB, parce qu'ils considèrent que les choix sont toujours arbitraires. Donc, comment peut-on répondre à cette question ? Ben, en disant notamment qu'il faut peut-être mettre ces choses-là en débat. C'est-à-dire, une fois qu'on se sera accordé sur l'idée que en gros, il faudrait un indicateur qui nous indique les évolutions de notre patrimoine naturel, qui prendrait en considération à la fois les stocks, par exemple les stocks de forêt, les stocks de poissons, mais aussi les qualités, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, et évidemment les émissions de gaz à effet de serre. Bon, donc un gros indicateur patrimoine naturel, et puis un gros indicateur de santé sociale. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il faut, avec des conférences citoyennes, avec des citoyens, mettre ça en débat et permettre à chacun de dire son mot. Parce que vous voyez que c'est un enjeu tout à fait immense de choisir de nouveaux indicateurs à mettre, sinon à la place, au moins à côté du PIB, pour, non pas seulement pour mesurer autrement notre richesse, mais pour guider nos actions. C'est-à-dire que je pense qu'on a besoin de nouveaux indicateurs aussi pour nous permettre de nous engager dans une reconversion, dans une bifurcation. Et pour ça, donc, on a besoin de nouvelles règles, de nouveaux guides pour l'action qui s'inscrivent presque dans une nouvelle éthique, un nouveau rapport homme-nature. D'accord, mais alors, c'est vrai qu'on critique le PIB, c'est extrêmement sommaire, mais tous ces indicateurs alternatifs qui existent depuis des dizaines d'années ne se sont jamais imposés comme des guides, des repères du débat public de manière aussi forte que le PIB, et ils sont même très très loin de ça. Est-ce que c'est pas parce qu'après tout, le PIB, avec tous ses défauts, mesure quand même quelque chose, c'est pas absurde, c'est pas une pure convention arbitraire, quand le PIB baisse de ne serait-ce que de 1%, on voit le résultat sur l'emploi extrêmement rapidement. Donc, par contre, si on prenait d'autres indicateurs, je ne sais pas si de mois en mois, ça décrirait aussi bien l'activité économique, parce que le PIB, finalement, ne prétend pas définir, mesurer le bonheur, voire même la richesse d'une nation. Il prétend assez modestement mesurer le flux de richesses marchandes qui sont produites chaque année. Donc finalement, est-ce que le PIB, dans ce sens-là, n'est pas indépassable en tant que mesure de l'activité économique ? Alors, vous avez parfaitement raison de dire que, après tout, ceux qui sont les spécialistes du PIB, qui le construisent ou qui le promeuvent, ont toujours dit que c'était un très mauvais indicateur de bien-être et qu'en effet, ils ont toujours reconnu que ça n'était pas un indicateur de bien-être. Donc, c'est un indicateur, en effet, d'activité économique qui nous dit un certain nombre de choses et qui est d'autant plus utile qu'il permet, évidemment, des comparaisons entre pays, puisque maintenant, les mesures sont complètement standardisées, normalisées, et donc tous les pays peuvent ainsi se comparer sur une même échelle. Maintenant, il me semble que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si on prend au sérieux cette affaire de crise écologique, alors on est obligé de constater, et c'est d'ailleurs le constat tout à fait officiel qu'a fait la commission Stiglitz, on est obligé de constater qu'il est en partie dépassé. C'est-à-dire que, certes, il est utile pour certaines choses, pour mesurer certaines choses, mais, comme disait Stiglitz, il ne joue pas le rôle d'alerte, il n'agite pas le chiffon rouge, et donc il se pourrait très bien qu'on soit en train de scier la branche sur laquelle on est assis. C'est-à-dire qu'on ait un PIB qui continue à grossir tranquillement, et puis que l'ensemble de notre patrimoine naturel soit détruit et qu'on passe les fameux effets de seuil dont on parlait tout à l'heure, sans du tout s'en rendre compte, en fait. Donc, oui, il est utile, mais en même temps, il est inadapté, et donc il faut le compléter. Et vous dites, on aura des mesures qui ne seront pas aussi précises. Je pense qu'on peut avoir des mesures aussi précises. Je signale d'ailleurs que, et en France, et en Belgique, en même temps, enfin, on est en train là, d'avoir des propositions de loi qui arrivent sur cette question.
Et je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait avant. Donc elles sont portées en France par Eva Sas, donc par Europe Écologie les Verts. La proposition, c'est donc d'adopter un ensemble de 4 nouveaux indicateurs avec l'empreinte écologique et l'indice de santé sociale qui nous permettrait, en même temps que le produit intérieur brut, de nous dire des choses sur l'évolution de notre société et de son patrimoine naturel. Et la même chose est en train de se passer en Belgique. Donc je pense qu'on peut avoir des mesures tout à fait aussi précises, mais radicalement différentes, bien sûr, que le PIB. Alors cette proposition de loi qui était discutée hier a été refusée. Est-ce que cette victoire in fine à chaque fois du PIB, est-ce qu'elle n'est pas due, au-delà des débats conventionnels sur quel type de critères, au fait que ça mesure la croissance et que derrière la croissance, il y a de l'emploi? Et si on s'accroche autant au PIB, c'est parce qu'il y a des emplois derrière. Comment est-ce que on peut avoir une prospérité donc sans croissance, sans pour autant avoir des millions de chômeurs? Il y en a 5 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Est-ce qu'on peut avoir donner des guides pour l'activité économique qui permettent de régénérer les stocks naturels et en même temps d'avoir un plein emploi, une pleine activité, je ne sais pas comment il faut dire, mais là c'est la question que se posent les dirigeants politiques très concrètement. Ils sont tout à fait prêts à entendre les limites du PIB, les limites de la croissance, mais ils ont un mandat politique qui est de faire baisser le chômage. Oui, vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que je pense que parmi les résistances, en effet, au fait de passer à un choix d'autres indicateurs, il y a la question absolument centrale de l'emploi. Et plus généralement, la question centrale de la crise sociale et économique et de l'emploi dans laquelle on est vraiment plongé, quoi. Et que le raisonnement que font les responsables politiques aujourd'hui, c'est un raisonnement presque séquentiel. C'est-à-dire, ils se disent, d'accord, il y a la crise écologique, mais ça, c'est du long terme. Donc on ne va pas s'en occuper maintenant, on va d'abord résoudre la crise sociale. La crise sociale, elle se résout avec de la croissance, et donc c'est les objurgations classiques qui reviennent. Il fallait aller la chercher avec les dents en 2008. Aujourd'hui, François Hollande nous dit qu'il faut la pousser, elle est poussive, donc il faut la pousser, cette croissance. Et en effet, on reste sur l'idée que à très court terme, pour résoudre la crise sociale, il nous faut de la croissance. Moi, il me semble qu'il faut retourner complètement le problème, parce que on sera toujours, d'une manière ou d'une autre, ou bien en crise, ou bien ça sera jamais le bon moment, quoi. Et avec tout ça, on va repousser les problèmes à un moment où il sera trop tard. Donc, moi, je suis tout à fait persuadée, même si c'est très compliqué, hein, je dis pas que c'est, bien sûr, c'est épouvantablement compliqué, mais qu'il faut faire une sorte de basculement complet, hein, consistant à mettre, à bifurquer maintenant, à choisir maintenant une autre voie, et à mettre la résolution de la crise écologique au service de la résolution de la crise sociale et de la crise de l'emploi. Alors qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement ? Je disais tout à l'heure que oui, à très court terme, le ralentissement de la croissance provoque un choc sur l'emploi, une diminution de l'emploi, toutes choses égales par ailleurs. Si on veut agir, me semble-t-il, immédiatement sur l'emploi et faire rentrer dans l'emploi les millions de personnes qui n'y sont pas, je crois qu'il y a une solution immédiate. Alors vous allez me dire que c'est une autre question taboue, c'est la réduction du temps de travail. Je vais le dire les choses autrement, un autre type de partage du travail. Non pas le partage actuel, qui est un partage sauvage, hein, où ça vous tombe dessus sans que vous ayez souvent rien demandé, et puis vous passez au chômage, et parfois vous n'arrivez pas à revenir dans l'emploi, mais parce que vous étiez dans la mauvaise région, dans le mauvais secteur, et qu'on vous a pas donné la formation qu'il fallait. Donc mettre à la place de ce partage sauvage un partage raisonné. Partage raisonné consistant à ce que le volume d'emplois disponibles soit réparti sur un nombre plus grand de personnes, avec ce qui donnera peut-être pour certains une réduction du temps de travail, mais pour d'autres, on pense à toutes les personnes à temps partiel, tout petit, subi, mal payé, peut-être un allongement du temps de travail. Donc ça, c'est une première chose. Et puis il y a une deuxième piste, qui est une piste qui est beaucoup développée par Jean Gadret, que je trouve très très passionnante, très intéressante. Jean Pigiani Ferry en a dit un petit mot tout à l'heure, donc je pense qu'il faut remettre ça en débat. C'est cette idée que si on produit plus propre,
Alors, plus propre écologiquement et socialement, alors il va nous falloir plus de travail. Alors tout ça entraîne une véritable révolution intellectuelle, je trouve. Hein. Il va nous falloir plus de travail. Donc ce travail, nous pourrons sans doute le répartir sur beaucoup d'autres personnes, mais ça ne va pas non plus de soi, cette production plus propre. Alors vous voyez, l'exemple que prend Jean Gadret souvent, c'est l'exemple du kilowattheure propre sale ou du kilo de fraises propre sale. C'est-à-dire sale, ça veut dire produit en dégradant la nature et les conditions de travail, propres, ça veut dire au contraire, avec de bonnes conditions sociales et écologiques. Donc, ce qu'il dit, qui me semble extrêmement important si on réfléchit sur les conventions, je trouve que pour les sociologues, c'est très très intéressant. Le PIB, notre indicateur, il n'est pas capable de repérer les changements de qualité. Donc, quand vous passez d'un kilo de fraises sale, plein de pesticides et en plus pas bon au goût, à un kilo de fraises propre écologiquement et socialement, vous avez un effet qualité énorme, mais le PIB n'est pas capable de l'enregistrer. Alors, je vous invite à aller sur le blog de Jean pour voir les détails. Il explique ça très, très bien. Si des fraises sont bio, elles valent plus cher sur le marché. Donc, elles sont enregistrées dans le PIB quand même. Alors, c'est tout à fait ce qu'il dit. Elles sont plus chères, mais on ne sait pas imputer l'augmentation du prix à l'effet qualité et au simple effet d'augmentation de prix ou d'inflation. Puisque après, vous savez que le taux de croissance, eh bien, il consiste à regarder la croissance du PIB en volume. Et donc, quand on passe en volume, on va déflater de l'inflation. Et donc, les comptables vont essayer de distinguer ce qui, dans chaque produit, relève d'un effet inflation ou d'un effet hausse des prix et d'un effet qualité. Et ce que Jean Gadret raconte, c'est que l'effet qualité, la plupart du temps, et surtout pas l'effet qualité patrimoine naturel, n'est pas repéré. Voilà. Donc je trouve ça intéressant parce qu'à la fois ça nous dit que vraiment il est temps de changer d'indicateur, on n'a pas les bons indicateurs pour partir dans cette direction, et que de surcroît on a là une solution, sans doute, pour engager cette reconversion écologique qui sans doute nous exigerait beaucoup plus de main-d'œuvre et beaucoup plus de travail. Jean Gadret, donc, ce qu'il dit pour résoudre le chômage, et c'est assez iconoclaste, c'est que finalement, il faut aller vers une baisse de la productivité. Et ça, dans le débat public, dire qu'on souhaite une baisse de la productivité, c'est totalement aberrant, enfin, les personnes pourraient comprendre ça. Et il dit que ça fera plus de travail. Parce que pour faire des fraises bio, il faut plus de main-d'œuvre que pour faire des fraises industrielles. Certes, mais est-ce que plus de travail, vous qui avez beaucoup réfléchi là-dessus, c'est un objectif pour notre société? Est-ce que justement le but n'était pas de se libérer un petit peu du travail pour avoir plus de temps libre? Et là, on va dans une société peut-être plus écolo, où les fraises seront plus bio, mais il faudra se pencher plus bas pour les ramasser, et il faudra quand même travailler plus. Est-ce que ce n'est pas un recul social, finalement, quelque part? Alors, je reviens sur l'idée de gain de productivité. C'est vrai qu'on a tous appris en économie que le cœur du progrès, c'était les gains de productivité. Et c'est vrai que quand Jean Gadret dit qu'il faut rompre d'une certaine manière avec les gains de productivité, ça fait un choc. Et alors, il dit pas que ça. Il dit qu'il faut passer maintenant à des gains de durabilité et de qualité. Donc, il y a bien toujours cette idée de qualité qui est là et de durabilité. Aucun des deux éléments n'est tant donc enregistré par notre produit intérieur brut. Alors maintenant, est-ce que c'est un bien ou un mal que l'on passe à un état où il nous faudra plus de travail? Moi, il me semble que ça peut résoudre en même temps deux questions. La première, c'est la question du chômage. On l'a dit tout à l'heure, il y a quand même maintenant pratiquement 6 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Je crois que c'est pas possible de continuer comme ça. Donc, premièrement, ça résoudre la crise de l'emploi, parce que plus de travail, ça va nous permettre de le redistribuer sur plus de personnes. Maintenant, ce qu'il faudra, c'est bien combiner précisément l'effet réduction du temps de travail de chacun et l'effet redistribution sur l'ensemble de la population active de ce volume-là. Et puis ça permet de résoudre, me semble-t-il, un deuxième problème, qui est l'immense malaise au travail aujourd'hui en France, qui est ressenti par une partie de la population. On a fait une enquête en Europe sur le travail,
qu'on a publié dans un autre bouquin avec une collègue qu'on a appelé « Réinventer le travail », on rend compte de ces résultats. Qu'est-ce qu'on voit dans ces enquêtes? On voit que à la fois en France, les gens sont les plus nombreux à dire que pour eux, le travail, c'est très important, et ça l'est d'autant plus que le travail manque, mais en même temps, ils sont, pour une grande partie d'entre eux, ils ont des conditions de travail quand même extrêmement, extrêmement médiocres, hein, avec du stress, avec vraiment un certain nombre de secteurs où le taylorisme est resté extrêmement présent, avec de grandes insatisfactions. Et pourquoi je dis que la voie des gains de qualité et de durabilité est intéressante, c'est parce que peut-être que cette voie-là, c'est aussi une manière de désintensifier le travail, et donc de changer de l'intérieur du travail. Alors, vous voyez, on serait trois fois gagnant si on prenait cette voie, puisque, un, on pourrait désormais produire en prenant soin de notre patrimoine naturel, mais on pourrait aussi peut-être avancer dans la résolution de la crise de l'emploi, c'est-à-dire mieux distribuer l'emploi sur l'ensemble de la population active, et enfin peut-être changer le travail, c'est-à-dire améliorer la qualité du travail. Toutes ces choses, je trouve, elles ne sont pas du tout nouvelles. Elles avaient été merveilleusement dites par les années 60-70. Je me souviens de Jouvenel, Bertrand de Jouvenel, qui disait « les gains de productivité qui semblent en effet le cœur du progrès, hein. C'est peut-être un progrès pour le consommateur, mais c'est souvent un regret, disait-il, donc un retour en arrière pour le producteur. C'est-à-dire cette manière de tenir ensemble, hein, des gains d'efficacité et une dégradation de la qualité du travail, voire de la qualité de vie, de la qualité de la cohésion sociale. Mais alors si, par exemple, François Hollande vous écoute et en échange des baisses de charges, il impose dans les contreparties aux entreprises de passer aux 32 heures, voire aux 30 heures, voire aux 28 heures. Nos entreprises, qui vont déjà pas toutes très bien, comment est-ce qu'elles vont suivre le rythme de la concurrence internationale, et comment est-ce que le consommateur, qui n'a pas toujours beaucoup d'argent, va aller acheter ses fraises bio à 4 euros, alors qu'il y a des fraises espagnoles pas bio du tout, mais qui coûtent que 1 ou 2 euros la barquette? Alors, vous avez raison, il y a une question de... Là, on est dans les échelles, hein, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent se faire... au niveau les plus locaux, voire au niveau régionaux. Là encore, je pense au Nord-Pas-de-Calais. Le Nord-Pas-de-Calais, ils ont décidé de conditionner leurs aides régionales au fait que les opérations soient écologiquement et socialement propres. Donc là, c'est une première chose. Donc ça, c'est les pouvoirs publics, d'une certaine manière. Maintenant, après, là où je vous rejoins tout à fait, c'est que c'est très difficile à faire dans un seul pays. Surtout des choses aussi radicales. Et je crois que si on va vers vraiment une reconversion, alors j'appelle ça reconversion écologique, je ne suis pas sûre que ce soit le bon terme, parce que ça fait un peu peur, mais une véritable quand même reconversion écologique de nos économies, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment faire décroître certains secteurs et en faire croître d'autres, c'est vrai que c'est très difficile de faire ça seulement en France et qu'il faudrait que ça soit fait au moins au niveau européen. Alors disant ça, je sais bien que du coup, je conditionne la réussite de cette opération à beaucoup de changements, hein, et notamment certainement à un changement des traités européens, à un changement de la manière dont la Banque Centrale Européenne est organisée, à un changement en Europe. Mais je pense que dans la mesure où on va avoir bientôt des élections européennes, on peut tout à fait lancer ça dans le débat. Et il me semble que l'Europe pourrait s'enorgueillir quand même de devenir non pas le continent le plus compétitif, mais peut-être le continent de la qualité, à la fois de la qualité des produits, de la qualité de l'emploi et de la reconversion écologique, parce que cette reconversion, je pense qu'elle va aussi nous amener à revoir peut-être en Europe nos différentes spécialisations. Elle va nous amener à mettre en place, enfin, il faudra absolument des fonds, comme il y a des fonds de reconversion, mais il faudra des fonds beaucoup plus amples pour organiser de véritables reconversions industrielles, n'est-ce pas, pour faire passer des personnes d'un secteur à un autre, et pour le faire cette fois-ci, pas comme ça se fait trop souvent, avec quand même beaucoup de victimes, mais pour le faire vraiment vite et raisonnablement.
Alors, une dernière question sur la croissance verte qui nous anime aussi souvent à Alter Eco, par exemple. Pour relancer l'activité, y a les politiques keynésiennes assez classiques. Et en même temps, on se dit que par rapport à l'époque de Keynes, on ne va pas se contenter de relancer l'activité pour relancer l'activité en creusant des trous et en les rebouchant. Autant s'en servir pour faire de la relance verte et justement aider à la transformation écologique de notre économie. Et donc, ceux qui ont du mal à choisir entre croissance et décroissance disent, voilà la solution, on va faire de la croissance verte, on va rénover les bâtiments, on va trouver de l'argent pour financer des éoliennes et sortir du nucléaire, on va financer la conversion en bio de l'agriculture. Est-ce que ce n'est pas encore une manière de repousser le moment où on va envisager une fin de la croissance ou une décroissance? Est-ce que ce n'est pas une sorte de subterfuge du drogué qui demande encore un peu de délai? Alors, moi, je n'aime ni le terme de décroissance, enfin, je n'aime, c'est pas ça. Je n'utilise ni le terme de décroissance, ni le terme de croissance verte. J'utilise pas le terme de décroissance parce que je vois bien que ça marche pas sur un certain nombre de personnes, c'est-à-dire que les gens qui ont vraiment des revenus peu élevés, qui sont pris à la gorge, leur parler de décroissance, ça ne peut pas marcher. J'utilise pas non plus le terme de croissance verte parce que c'est un terme qui est utilisé par un certain nombre d'institutions internationales qui, en fait, continuent à promouvoir la croissance, tout en pensant qu'on va pouvoir éviter la dégradation des patrimoines naturels, ce que je ne crois pas quand on regarde bien les études dont on dispose sur le découplage. C'est-à-dire que, en résumé, apparemment, d'après ce que disent toutes ces études, il faudrait vraiment, pour pouvoir continuer à avoir de la croissance sans dégâts sur le patrimoine naturel, des innovations techniques et technologiques dont on ne voit pas le début. Voilà pourquoi je fais usage d'aucun des deux concepts. Je préfère dire qu'il nous faudrait maintenant raisonner au-delà de la croissance, c'est-à-dire nous fixer de nouveaux objectifs, nous passer du détour par la croissance en quelque sorte, c'est-à-dire quel est l'objectif? C'est satisfaire les besoins des personnes au mieux, mais sous contrainte du respect de contraintes en respectant des contraintes sur notre patrimoine naturel et sur notre cohésion sociale. Donc, si vous voulez, une production qui serait enserrée dans des normes sociales et environnementales. Après, une fois qu'on a dit ça, si jamais, en respectant ces normes sociales et environnementales, on a finalement une croissance du PIB, tant mieux. Une décroissance du PIB, tant pis. Je crois qu'il faut qu'on se dise que c'est plus ça notre objectif, qu'il faut changer d'objectif, raisonner au-delà de la croissance, abandonner, cesser d'avoir les yeux braqués sur le produit intérieur brut et adopter d'autres indicateurs. Produire, donc satisfaire les besoins de nos concitoyens, au mieux, tout en respectant des normes sociales et environnementales. Alors je pense que c'est une véritable révolution, mais voilà vers où il me semble que nous pourrions aller pour répondre, alors là encore, à condition que nous prenions au sérieux tout ce que les rapports nous amènent, nous enseignent sur la possibilité d'une crise écologique. Évidemment, si on n'y croit pas, alors refermons la page et continuons comme avant. Et je dirais, fermons les yeux pour aller peut-être vers le précipice ou peut-être pas. Mais après, c'est vrai qu'on en revient à une affaire de Paris. Et pour répondre encore un petit peu à votre question, quand vous dites mais il y a la compétition internationale, donc on risque, nous, la France, si on prend des mesures, d'être étouffés, les autres vont nous dépasser. Puis c'est un peu ce que disaient nos deux débatteurs tout à l'heure, quoi. C'est vrai qu'on n'est pas tout seul, on n'est plus en économie fermée, on doit tenir compte de tous les autres. Mais moi, il me semble qu'à moins que l'ensemble de la planète soit devenue folle, mais je crois que tout le monde est de plus en plus conscient, enfin nous avons la matière pour comprendre que les choses s'aggravent et donc que tout le monde va devoir prendre des mesures. Et du coup, la question, Xavier Timbaud en parlait un peu tout à l'heure, la vraie question, ça va être de savoir comment on va répartir le fardeau de la réduction. C'est-à-dire, est-ce que c'est nous, pays du Nord, et les plus favorisés dans les pays du Nord, qui devons drastiquement baisser nos niveaux de consommation,
et puis laisser les pays du Sud bah, un peu nous rattraper, parce que les pays du Sud ne sont pas contents. Ils nous disent, attendez, vous avez super consommé, vous avez mis des concentrations monstrueuses de gaz à effet de serre, puis maintenant vous nous demandez, nous, de rester dans notre pauvreté. Non. Donc, il y a des mécanismes, évidemment, très, très compliqués à imaginer pour répartir de la façon la plus juste possible le fardeau de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, merci beaucoup. On va passer aux questions. J'imagine que vous en avez. Je ne sais pas s'il y a un micro quelque part. Oui. Alors... Vous avez évoqué de nouvelles règles pour introduire de nouveaux critères dans le calcul de la richesse. Or, à mon avis, cela pourrait se faire simplement en réformant les normes comptables. Il suffirait d'obliger les entreprises à comptabiliser les externalités, la pollution en quelque sorte, ou... Enfin, qu'elles soient positives ou négatives, et les introduire dans les prix de revient. Et cela les obligerait à adopter un comportement vertueux, comme leurs clients, les consommateurs, tous les agents, finalement, sur le plan environnemental. Alors, ce sont des questions qui sont largement débattues au sein de l'Ordre des experts comptables, qui s'intéressent aux questions de développement durable. Des économistes évoquent la question... pourquoi les pouvoirs publics n'agissent-ils pas en la matière ? Merci. On prend trois questions, si vous voulez. Il y a madame devant. Je fais suite à la demande de monsieur au niveau du plan des plans comptables. Pourquoi le travail est mis dans les charges ? Au niveau du plan de comptable, et pourquoi le capital est mis au bilan en richesse. Premier point. Deuxième point, au niveau de la productivité du travail, notamment sur les fraises, il faut savoir que la productivité du travail agricole en bio, par unité de main-d'œuvre, est supérieure aux autres formes, aux autres systèmes agricoles. Et troisième point, qui est plutôt là une proposition pour les gens de la région. Avec 16 associations environnementales, on a créé un site internet pour une pétition pour le conseil régional, pour alerter le conseil régional sur un pacte. Alors c'est par rapport au pacte d'avenir breton, hein, pour proposer un autre pacte. Un pacte écologique et solidaire pour interpeller le Conseil régional en tant que tel sur un autre projet et pas réagir programme par programme à la marge, comme vous le dites, en mettant des critères d'éco-conditionnalité ou de socio-conditionnalité. Cette pétition, elle s'appelle, vous pouvez la trouver sur Internet en tapant « pacte éco-solidaire ». wordpress.org ou .com, pardon, pour WordPress, je crois. Et il faut savoir qu'avec 30 000 signatures régionales, on peut interpeller le Conseil régional. C'est très important. D'accord, merci. Bon, j'avais dit trois questions, c'est pas trois questions par personne, hein, mais... J'ai une suggestion et une question. Ma suggestion est modeste, c'est ici. Vous sembliez hésiter, madame, sur l'appellation de la croissance verte ou la décroissance. Je suis entièrement de votre avis. Chaque fois que j'évoque la question, je pense que la croissance intelligente, pour nombreux d'entre nous, veut dire plein de choses. C'est-à-dire qu'on est souvent très convaincu qu'une grande partie de notre façon de produire, très souvent, ne servait rigoureusement à rien et n'améliore absolument pas nos conditions de vie. Donc, la croissance intelligente peut évoquer des choses auxquelles on est sensible. Ma question est la suivante. Je reviens à quand vous avez évoqué
il y a un instant, le tabou du partage du travail. Si on considère les 11% de demandeurs d'emploi sur le nombre d'emplois à peu près, ou voire le double, si on considère 6 millions de gens en attente, ça veut très exactement dire qu'on a tous, dans notre première sphère individuelle, quelqu'un en demande. Bon. Alors, en tant que sociologue, où est l'obstacle et quel est ce tabou, je parle en France, ailleurs ça serait peut-être plus compliqué, de ce que vous avez évoqué, donc en tabou de la notion du partage, voire du non-partage, et puis deux autres petites notions, tous les travaux de recherche de Pierre Laroutourou sur cette notion-là, voire Jérémy Rifkin dans le partage des conditions de partager l'énergie, qu'est-ce qui fait que c'est au placard ? D'accord, alors merci beaucoup, on va reprendre les questions. Est-ce qu'on peut internaliser justement les externalités négatives ou positives dans les normes comptables de chaque entreprise ? Merci beaucoup, en effet, pour ces deux premières questions sur la comptabilité, en fait, hein, et nos grilles à la fois de lecture, d'interprétation de la réalité. Y a un très bon bouquin de Jacques Richard, qui est un de mes collègues de Dauphine, qui s'appelle « La comptabilité environnementale ». Et il propose, alors il fait une longue analyse des propositions qu'il y a eu en matière de comptabilité environnementale, et lui fait une proposition, il l'appelle de nouveaux dispositifs, de nouvelles comptabilités, qu'il appelle CARE, C-A-R-E, comme le soin en anglais. Et alors en effet, tout à fait dans la ligne de ce que vous le dites, il propose une comptabilité qui permettrait aux entreprises, en quelque sorte, de... alors il y a un système d'amortissement. En gros, il s'agit de mettre en place des amortissements pour l'ensemble des activités de l'entreprise, et y compris ce qu'elle fait sur la manière dont elle utilise son patrimoine naturel, etc. Donc c'est très intéressant. Alors, quel est le problème là-dessus ? C'est le problème de la monétarisation. Il y a un débat à la fois chez les économistes, mais en gros chez l'ensemble des personnes qui s'intéressent à ces sujets, pour savoir s'il est raisonnable de monétariser les dégâts ou pas. C'était déjà la critique qu'on avait fait à Tobin et Nordhaus quand ils avaient fait les PIB verts. C'est-à-dire que pour faire un PIB vert, vous devez tout monétariser. Alors on monétarise le travail domestique. Alors, à quelle valeur du salaire ? Le salaire de la femme, est-ce que c'est le salaire de la personne qu'on viendrait pour faire la même chose à la maison, ou le salaire de la femme qui travaillerait ? Bref, donc on monétarise tout, mais surtout, là, on monétarise le patrimoine naturel et les dégâts qu'on apporte au patrimoine naturel. Or, disent un certain nombre de personnes, on ne peut pas donner de valeur à un certain nombre de choses qui n'ont pas été produites par les êtres humains. On ne peut pas leur donner de valeur, on n'a pas le droit. Donc, il y a aussi un débat sur la question de savoir s'il faut monétariser en donnant un prix ou si, au contraire, il faut que ça soit, je dirais, un tarif politique d'une certaine manière. Mais donc, ça constitue un réel obstacle à aller plus loin. Vous avez des tas de gens qui refusent la monétarisation. Et donc, je dirais la même chose pour la deuxième question. Enfin, j'étendrai un peu ma réponse à la deuxième question en disant qu'il y a aussi les intérêts de chacun. Les intérêts des entreprises, des multinationales, des propriétaires de capitaux. Et ça pose, ce que vous dites, toute la question de l'entreprise, de la propriété de l'entreprise, de la définition de l'entreprise, de la manière dont on pourrait la redéfinir. D'ailleurs, je renvoie à un bouquin, un très bon bouquin d'une de mes collègues belges qui s'appelle Isabelle Ferreras, qui a écrit « Gouverner le capitalisme ». Et elle propose, elle, une réforme de l'entreprise dans laquelle les dirigeants de l'entreprise seraient choisis à la fois par, elle appelle ça du bicaméralisme, par la chambre du travail et par la chambre du capital. Donc une nouvelle manière de gérer la production. Voilà, c'est-à-dire que la question que vous posez est éminemment politique, bien sûr. Oui, et un dernier point sur... je reviens sur la première question et la deuxième. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas ? Pourquoi les pouvoirs publics ne bougent pas ? Et pourquoi, quand même, est-ce qu'après la commission Stiglitz, il y a eu si peu de choses ? Premièrement, la commission Stiglitz elle-même n'avait pas débouché sur grand chose, quand même. Elle n'avait pas débouché sur des propositions révolutionnaires. Elle avait tenté de proposer d'adopter un indicateur très dangereux qui s'appelle l'épargne nette ajustée.
Là encore, je vais très vite, qui est un indicateur qui consiste à tout monétariser, capital productif, plus humain, plus naturel, et à faire le solde, et donc qui présente comme double défaut à la fois le fait d'évaluer monétairement les différentes formes de capital, mais en plus d'accepter que la dégradation d'un de ces capitaux soit compensée par l'augmentation des autres. En gros, que la dégradation du capital naturel soit compensée par l'augmentation du capital productif et du capital humain. Et ça, c'est évidemment tout à fait ennuyeux. C'est ce qu'on appelle la thèse de la durabilité faible. Et qui est donc très dangereuse, puisqu'il y a l'idée, on parlait tout à l'heure dans le débat précédent un peu du progrès technique et technologique et du génie humain, il y a l'idée que le génie humain arrivera de toute façon, en toutes circonstances, à construire un capital artificiel qui lui donnera les mêmes doses de satisfaction que le capital naturel. C'est comme si la réalité du capital naturel, les forêts, les senteurs, la beauté, voilà, c'est comme si la relation charnelle qu'on peut avoir avec la nature, elle n'avait aucune importance pour une partie des économistes qui ont théorisé tout ça, et que l'essentiel, c'était qu'on ait un quelque chose qui nous donne les mêmes doses de satisfaction que le capital naturel. Et puis dernière Le partage du temps de travail, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Pourquoi? Là encore, il me semble qu'il y a deux choses. Premièrement, il y a un élément conjoncturel, c'est-à-dire que la réduction du temps de travail telle qu'elle a été faite en France s'est accompagnée ensuite d'une interprétation idéologique avec beaucoup de choses quand même très fausses, me semble-t-il, et qu'on nous a rentré dans l'esprit le fait que les 35 heures avaient été une catastrophe nationale, ce que je ne crois absolument pas. On nous a dit que ça avait dégradé la valeur travail. Or, alors là, je suis bien placée pour le savoir, j'ai fait des tas d'enquêtes là-dessus, il y a presque personne d'autre que les Français qui sont plus attachés au travail, donc c'est faux que la valeur travail a été dégradée. On nous dit que ça a coûté épouvantablement cher, ça n'a pas coûté plus cher que d'autres allègements de cotisations sociales qui, eux, étaient sans contrepartie. Ça a relancé la négociation, ça a quand même apporté, lorsque ça ne s'est pas accompagné d'une trop forte intensification, ça a comporté un certain nombre d'améliorations dans la vie quotidienne des personnes. Donc voilà, il me semble que la toute première des choses à faire pour ouvrir à nouveau cette discussion, ça serait de remettre dans le débat public la question du bilan des 35 heures et qu'on fasse un bilan serein des 35 heures. D'ailleurs, Éric Heyer avait fait un très bon papier en 2012 là-dessus, qui était titré, je me demande, c'était pas dans Alter Echo d'ailleurs en 2012, sans doute, qui était titré le, entre parenthèses, bon bilan des 35 heures. Et alors, non, mais lisez ce papier, il est sidérant, il montre que les 35 heures, c'est génial, quoi. Alors, il y a ça, et puis après, vous voyez très bien, ça va contre tout ce qu'on a raconté là. Ça va contre la maximisation, le fait qu'on est obsédé par augmenter sans arrêt la production, qu'on préfère augmenter la production plutôt qu'avoir une meilleure qualité de vie. C'est ce que nous racontait Taylor au début du 20e siècle, hein, c'est-à-dire que tout ce qui compte, comment on mesure le progrès dans une société, c'est la baisse de prix des produits pour le consommateur. Ça, c'est le top du top. Donc, une fois que vous avez ça comme critère, bah, c'est fini, d'une certaine manière. Alors, d'autres questions? Ne pensez-vous pas qu'en passant 32 heures, ce ne soit pas un motif pour les entreprises qui n'ont pas de production à réaliser, en quelque sorte, par exemple dans les services, de demander une plus grande productivité à leurs salariés? Vous parliez tout à l'heure d'un certain stress et de malaise au travail. Ce ne serait pas dû au fait que les entreprises aient voulu demander une plus grande pression à leurs salariés pour une meilleure productivité? Y aurait-il pas d'autres moyens pour créer des emplois, tels que des politiques de villes intelligentes, laissant peut-être moins de place aux transports individuels, qui nuisent à la qualité de vie avec les embouteillages quotidiens? On pourrait prendre l'exemple de la région parisienne où c'est très présent. N'y aurait-il pas d'autres
solution plutôt que de retravailler sur les énergies et abandonner les énergies fossiles et développer des énergies plus propres, ce ne serait pas un moyen de créer du travail. Enfin, pour pouvoir résoudre le chômage, n'y aurait-il pas une possibilité de revoir l'école tout simplement ? Parce que le système éducatif français n'est pas forcément très performant. On va être dans une idée de compétition. On va mettre sur des statuts certaines filières et en les vendant comme ouvrant toutes les portes, en dévalorisant d'autres filières qui auraient peut-être un intérêt. Le collège unique, en ce sens, n'est-il pas une mauvaise idée ? Peut-être qu'il permettrait de résoudre le chômage. Merci. Monsieur là-haut. Devant. Non, excusez-moi, là-haut. Au balcon. Au balcon. Allez-y. Oui, j'ai assisté tout à l'heure à la conférence menée par les deux économistes, messieurs Pisani-Ferry et Timbaud, et j'ai malheureusement dû quitter la conférence pour aller intervenir par ailleurs. Et j'avais une question que je voulais leur poser, que je n'ai pas pu leur poser. Et du coup, je voudrais vous demander en fait une forme de commentaire sur ce qui a été dit dans cette conférence. Donc le thème, c'était la croissance, où en sommes-nous ? On a eu un panorama sur la croissance passé, à venir, présente. Et donc la réflexion était essentiellement quantitative. Alors la question que je voulais poser, c'était à ces économistes, est-ce que vous estimez que la question du niveau de croissance est plus importante que la question de son contenu ? Puisqu'il en a été très peu question. La croissance de quoi ? De quelle production ? À quelle finalité sociale, notamment ? Alors votre réponse à vous, je l'ai bien entendue, hein, je l'ai comprise. Donc ce que je vous demande plutôt, c'est, sachant que vous êtes en relation avec des économistes, est-ce que les économistes se posent de plus en plus ce genre de questions, en dehors de quelques exceptions comme Jean Gadret, par exemple, que vous avez cité ? Et une question qui vous est plus destinée à vous, la croissance, elle est tirée, et je dirais même qu'elle est exigée, en fait, par les secteurs de l'économie où il y a des perspectives de profit. C'est-à-dire que, en fait, la croissance va se réaliser là où les entreprises privées investissent parce qu'elles perçoivent cette possibilité. Alors ça ne correspond pas forcément tout à fait à ce que vous disiez tout à l'heure, à votre vision à vous, c'est plutôt d'écarter la question du niveau de production souhaitable et plutôt de repartir des besoins plutôt que du niveau de la production. Alors la question des besoins, elle est centrale, hein, moi j'étais en accord avec vous sur ce plan-là. Il y a quelque chose qui est assez surprenant, c'est que tout à l'heure, on a eu une conférence sur la croissance. Le mot capitalisme n'a pas été prononcé une seule fois. Et donc, ce que vous proposiez, hein, qui était de repartir sur un modèle différent où on recherche d'abord qu'est-ce qui répond à nos besoins, quels sont nos besoins sous contrainte sociale, environnementale, est-ce que ce que vous proposez là, est-ce que ça vous paraît possible sans sortir du capitalisme, sachant que les économistes eux-mêmes, ou beaucoup d'entre eux, n'osent même plus prononcer le nom, alors qu'on vit pourtant bien dans une société où l'économie est guidée par le capitalisme ? Merci. Une dernière question, là-bas. Bonsoir. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis un particulier rennais, un citoyen, et je suis un celliste, un adhérent d'un système d'échange local. Et j'aimerais savoir d'une part, est-ce que vous en avez connaissance de l'existence des CEL, dont le nombre est grandissant, et est-ce que vous avez pu relever comment l'intérêt social et l'intérêt économique de cette monnaie parallèle, tout comme le Galeco, d'ailleurs, qui est une monnaie parallèle, et est-ce que vous avez pu voir l'importance dans le PIB et l'intérêt économique, etc. Voilà. Merci. Merci, ça fait pas mal de questions. Donc sur les inconvénients de la réduction du temps de travail, on a souvent dit que les 35 heures avaient amené beaucoup de stress et finalement que ça s'était résolu par une hausse de la productivité et donc une dégradation des conditions de travail. Est-ce que c'est une fatalité ?
Alors oui, enfin non, pardon. Mais merci pour la question. Ce que je veux dire, c'est que j'étais d'accord avec aussi toutes les propositions qu'avait faites la personne après. Hein. Je vais y revenir sur le sur la réduction du temps de travail. Je rappelle qu'il y a eu quand même deux moments dans les lois Aubry. Il y a eu deux lois Aubry, la première et la deuxième. Dans la première, la réduction du temps de travail et le fait d'accorder des aides étaient conditionnés par un la création d'emplois. Et deux, le fait de conserver le même décompte du temps de travail. Et ça, c'était hyper important. Parce que si vous conservez le même décompte, les mêmes méthodes de décompte du temps de travail, alors vous n'allez pas pouvoir comme ça augmenter la productivité. Vous allez pouvoir l'augmenter un peu, bien sûr. Mais on ne pourra pas assister à ce qu'on a assisté avec la deuxième loi Aubry, lorsque ces deux éléments clés, ces deux verrous, ont sauté. Donc ça n'est pas nécessaire d'avoir une dégradation des conditions de travail quand on réduit le temps de travail. Mais je suis d'accord que c'est tentant. C'est tentant pour des entreprises pour essayer de se rattraper. Donc ça veut dire que si on remettait en débat cette question, il faudrait que le risque de dégradation des conditions de travail et la productivité soient mis au centre du débat, ce qui n'a pas été vraiment le cas lors de des 35 heures. Pourquoi ça n'a pas été le cas? Parce que c'est vrai aussi que dans les grands modèles macroéconomiques qui avaient préparé le passage aux 35 heures, on comptait fermement sur les gains de productivité pour permettre d'aider à financer la réduction du temps de travail. Ensuite, sur toutes les autres solutions que vous avez proposées, vous les avez proposées de manière un peu exclusive, c'est-à-dire plutôt que les 35 heures, il vaudrait mieux la ville intelligente et puis aussi revoir le système scolaire, etc. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que, bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Quand je parle de reconversion écologique, on parlait de contenu de la croissance, je pense en effet à tout ce qu'on nous a raconté sur la rénovation thermique, donc là où il y a beaucoup, beaucoup d'emplois hein, qui sont nécessaires, le développement des transports collectifs, l'agroécologie, et aussi le développement de nouveaux secteurs pour répondre à tous les besoins non satisfaits actuellement, hein, notamment dans les services relationnels, prise en charge des personnes âgées, etc. Quant au système scolaire, je suis tout à fait d'accord, il n'est pas très étonnant qu'on ait les espèces de la compétition énorme dans le travail quand on voit ce qui se passe en effet dans nos écoles, c'est-à-dire qu'on apprend à nos enfants la compétition très très tôt. Donc je suis d'accord sur l'ensemble des solutions que vous avez proposées. Ensuite, sur la deuxième question, donc rapport entre le niveau de croissance et son contenu, je viens un peu d'y répondre. Hein, et vous disiez, est-ce qu'il y a quand même des économistes qui commencent à virer leur cutie? Oui, par exemple, Pisani-Ferry l'a cité aussi tout à l'heure, hein, Robert Gordon, qui a fait un électrochoc dans le monde quand il a publié son document de recherche, disant qu'en gros, la croissance, c'était fini. Alors, ce qui est très intéressant, c'est exactement comme avec la commission Stiglitz. Quand c'est des économistes hétérodoxes par exemple, Gadret ou d'autres gens avaient parlé de la fin de la croissance avant, alors on n'en parle pas beaucoup, mais quand un économiste ayant pignon sur rue et néoclassique, comme les Gordon, dit que peut-être qu'on n'aura plus de croissance, alors là, ça devient presque parole d'évangile, comme d'ailleurs la remise en cause du PIB, quand c'est Stiglitz qui l'a dit, alors là, tout de suite, tout le monde a dit que bien sûr, c'était évident et qu'on le savait depuis très longtemps. Donc, est-ce qu'il y a d'autres économistes qui commencent à virer leur cutie? Je dirais un peu. Donc, il y a Gordon. C'est vrai qu'en France, on commence à voir il y a eu un article de Cohen récemment pour dire qu'on pourrait peut-être un petit peu se passer de croissance. Piketty, dans son bouquin, dit aussi que, de toute façon, on n'aura plus que 1% de croissance. Mais rares sont les économistes, en effet, comme Gadret, à mettre au centre de leur raisonnement l'idée qu'on risque de ne plus avoir de croissance, et que peut-être il est souhaitable de ne plus avoir de croissance. Parce que, je crois qu'on l'a assez dit, hein, c'est un véritable tabou quand même. C'est-à-dire qu'on continue à croire que sans croissance, nos sociétés vont complètement s'effondrer. Et pourquoi, moi par exemple, j'utilise pas le terme de capitalisme, ou est-ce qu'il faut sortir du capitalisme pour mettre ça en œuvre? Alors moi, je n'utilise pas le terme de capitalisme parce qu'il me semble que dire
dire il faut sortir du capitalisme, ça va intéresser une partie de la population, mais pas du tout une autre. Or, moi, je pense qu'il faut que toute la population soit intéressée à ces débats-là. Il faut garder tout le monde. Maintenant, est-ce qu'une telle reconversion écologique est possible au sein du capitalisme tel que nous le connaissons ? Non, évidemment. Alors, sûrement pas du capitalisme financier tel que nous le connaissons, et peut-être pas au sein d'un capitalisme qui ne serait pas infiniment régulé. C'est-à-dire, là, il s'agirait d'un capitalisme extrêmement régulé. Et puis, est-ce que je connais les systèmes d'échange locaux, les monnaies alternatives, fondantes, etc. ? Oui, c'est pas mon sujet de spécialité, mais je trouve ça évidemment éminemment intéressant et éminemment en lien avec le fait de réfléchir à des nouvelles définitions de la richesse. Et alors, dans la question sur le capitalisme, avant, il y avait le regret que les investissements aillent dans les secteurs où on anticipe des rendements importants et des rentabilités, alors qu'il vaudrait mieux partir des besoins. La question, c'est qui définit les besoins ? Sur le marché, les besoins, ben, c'est justement la demande solvable qui s'exprime, moi j'ai besoin de ça, ça et ça. Oui. Si c'est pas par le marché, qui décide des besoins ? Alors, je développe dans mon bouquin un petit chapitre sur la nécessité de planifier ça, hein. Exactement comme au moment de la Seconde Guerre mondiale, hein, quand Beveridge, par exemple, dit que pour reconstruire et pour sortir de la Seconde Guerre mondiale, ben, il va falloir planifier, il va falloir que l'État décide d'un certain nombre de choses, et il me semble que la situation, elle est aussi grave, au moins aussi grave qu'au moment où on est sorti de la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut vraiment des moyens très importants, et je pense qu'il faut un alliage intelligent de planification, en effet, peut-être, alors je ne peux pas dire planification dirigée, parce que alors là, je vais me faire complètement cataloguer, mais une planification, une prise en charge par l'État pour montrer les grandes directions, mais accompagnée d'une intense démocratisation au sein des entreprises et partout, beaucoup plus qu'on ne le voit à l'heure actuelle. C'est-à-dire une nouvelle alliance entre rôle de l'État et revivification, je dirais, de toutes les instances démocratiques dans toutes les institutions. Alors Dominique Méda a un train à prendre dans quelques minutes, et pour conclure ce débat qui était interactif sur Twitter, j'ai reçu un texto d'Eva Sass, auteur de la proposition de loi sur le PIB, qui a vu qu'on avait tweeté que sa proposition de loi avait été rejetée et elle s'insurge. Eva Sass nous dit donc « Non, la PPL n'a pas été rejetée. En fait, on a obtenu l'engagement du ministre de soutenir une proposition de loi sur le sujet dans le premier semestre et une expérimentation à blanc sur le budget 2015. Et donc, nous avons retiré la proposition de loi. » Et donc, c'est sur ce scoop mondial qu'on va sans doute clore cette discussion. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot ? Je suis ravie d'entendre ça. Ça y est, c'est le début donc, de la reconversion écologique. Merci. Merci beaucoup. C'est chouette. Ouais, c'est rigolo, mais...